La porte du néant vient de s'ouvrir et la mort se rapproche. La guerre que j'ai tant redoutée est enfin arrivée. Je vais te délivrer de cette cage. Tout va bien se passer, Friedrich. Il est temps de se battre. Pour notre existence. Et de sourire. Une toute dernière fois. Et aujourd'hui, je suis la mère et le père. Et toi, tu n'as pas ta place dans ce nouveau monde. I'm so sorry, Joshua. Vous jouez avec mon corps! Avec mon esprit! De quoi rêves-tu, Joshua? Il y a nos ennemis qui approchent. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Curtis! Les êtres humains sont les esclaves de l'absurdité de l'existence. Mais je veux pas partir à la guerre, papa. Peu importe si je dois périr, je t'arrêterai. Ça te plaît, n'est-ce pas? Le vagabond des limbes du paradoxe. Crève les yeux pour voir l'invisible. Mange la langue pour que le silence s'exprime. Arrache les oreilles pour entendre l'inaudible. Nous sommes la moisissure de l'humanité, les déchets d'une histoire. Face à la pureté absolue, chaque être humain est marginal. Notre existence est une erreur qui nécessite une purge divine. Et c'est ce que je veux offrir à ces gens, une chance de ne plus être, de ne plus haïr. Une chance de ressentir enfin ce vide absolu. Pourquoi donc suis-je le seul à saisir la beauté du silence ?